Bonjour tout le monde, voici enfin ma salle à scrapbooking. Elle n'est pas encore terminée, mais mettons que ça s'en vient quand même bien. Je vous dirais qu'il reste la décoration à faire. Fait que là, je vous montre dans le fond, c'était où qu'il y avait le meuble vert. Là, je vais essayer de vous approcher. Ça, c'est ma petite tablette de mes projets que j'aime bien. Ça, c'est quand je faisais de la peinture sur bois. Ensuite de ça, ma petite table. Un autre album. Ça, c'est une carte que j'ai fait pour participer à comment qu'ils appellent ça en français? Je ne sais pas en français, mais un TD call, un design team call. J'ai pas gagné, mais je vais être un guest designer pour le mois de décembre. Je vais vous mettre, si vous voulez avoir plus d'informations, vous me le direz. Puis ça, c'est un album que j'ai pas fini quand j'étais allée à New York en 2006. Donc, là, comme vous pouvez constater, mon matelas est toujours dans la chambre, mais je l'ai recouvert d'un protège-matelas, dans le fond, là. Puis là, mes coins ne tiennent pas bien, bien parce qu'il faut que je mette un petit plastique parce que j'ai un petit mâle et il se lève la patte un peu partout. Donc, mon coin ne tient pas toujours. Donc, ici, c'est ma canette de coke, bien entendu. Puis ça, c'est un nouveau kit que ma soeur s'est acheté pour faire les ongles. C'est une manucure qui dure environ 2 semaines. Je l'ai présentement sur mes doigts. Donc, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, là, je vais faire une revue de ce produit-là sous peu. Possiblement même aujourd'hui si j'ai le temps. Ici, c'était la fameuse porte de garde-robe que j'ai enlevée, que j'ai mis des rideaux que j'avais déjà. La peinture également, je l'avais déjà. C'est la peinture de notre chambre. On avait mal calculé nos choses. Donc, il nous restait un galon. À l'intérieur du garde-robe, vous avez mes cubes. Là, c'est le bordel un peu, là. Vous avez mes cubes que c'est mal placé. Je ne vais pas vous rendre malade. Puis, tout est placé par couleur. Boutons, brads, n'importe quoi qui est rouge va dans la chemise rouge. Un petit meuble que j'ai pogné sur le bord du chemin. Ça, c'était mon rack que je mettais tous mes produits quand je faisais des ongles. Puis j'ai décidé de le changer. Fait que là, c'est toutes mes colles, mes rubans collés. Tout ce que je sais pas où mettre pour tout de suite, là. Là, désolé, ma fenêtre n'est pas encore nette parce que j'ai dans mon but que, mec, ma fenêtre soit nette, c'est parce que tout est fait. Fait que là, comme vous voyez, ma fenêtre n'est pas encore nette. Ensuite de ça, ici, c'est ma tête de rideau. Dans le fond, que j'ai pas de rideau pantoute, j'ai pas de store non plus parce que, comme vous pouvez voir, mon voisin n'est pas très, 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 très dérangeant. Donc, il me reste à faire une décoration avec les papiers que j'ai là pour le dessus de la tête de rideau, dans le fond. Ça, c'est ma place de travail. Ici, vous avez un rack que j'ai décoré. Dans le troisième tiroir, il y a mes poinçons. Dans les autres tiroirs, je ne sais plus pantoute parce que je ne sais pas vraiment où ce que je suis rendue. Je n'ai pas encore vraiment travaillé dans ma salle, fait que je ne suis pas encore vraiment organisée dans le sens, ça ici en bas, c'est toutes mes choses, là, vous voyez, hein, j'ai 3 chiens, hein, fait qu'il y en a un de la gang qui a décidé de manger une décoration. Fait que ça, c'est tous les produits de maison qui sont là-dedans. Ici, c'est toute ma section, pour revenir ici, là, ça, je vous dirais que c'est ma section assemblage. Donc, ici, c'est ma section estampage. Fait que là, vous voyez, j'ai toutes mes estampes, j'ai même... Je sais pas si vous le voyez ici, là. Mais j'ai même une extension. Mon gun chauffant, il est déjà plugué. Fait que là, j'ai une extension pour quand je vais utiliser mon gun à colle chaude qui va être à portée de main. Parce que moi, j'aime pas. Je suis comme une fille impatiente un peu, hein. Moi, quand je suis venue au monde, la patience, ça a passé un petit peu tout droit. Ça, c'est toutes mes peintures. Fait que j'aime ça que ce soit tout à portée de main. Donc, je vais pouvoir brancher mon pistolet à colle chaude plus aisément. Ça, vous voyez,
c'est mes pots d'embosser. La petite couleur était sur le pot, mais là, j'ai décidé de le mettre là. Fait que là, je vois encore mieux. Comme vous voyez, c'est pas encore tout finalisé. Je vous dirais que je suis un petit Britannique, là. Là, ça fait comme 2 mois. Mais là, ça fait un petit bout de temps, par exemple, que j'ai rien fait dans la salle. Je vais allumer la lumière. Je ne sais pas si ça peut aider un peu. Désolée, là, j'espère que je ne vous mette pas trop donne mal au cœur. Donc, dans la section d'en haut ici, c'est ma section coloriage. C'est mes crayons de bois. C'est rien de fancy. C'est mes crayons de bois Crayola. J'ai acheté un petit kit chez Michaels, là, la boîte bleu mauve que vous voyez. C'est pour apprendre à faire de l'aquarelle. J'ai mon papier aquarelle également avec une autre sorte de papier pour pouvoir dessiner. Ça ici, c'est ma petite album que j'ai fait avec des sacs à papier pour tout insérer mes... comment je pourrais dire ça? Mes images digitales que j'ai. Donc, j'ai fait par compagnie, je vous dirai un peu. J'en ai déjà imprimé. Fait que comme ça, mais je suis prête à l'utilisation. Ça fait longtemps qu'ils sont imprimés. Fait que l'encre est sèche comme faut. Fait que ça me donne... Je me suis amusée en faisant ça un soir. J'adore ma petite bonne femme. Vous voyez, là, ses cheveux ont été faits. Ses cheveux et son visage ont été faits avec mes crayons Crayola. Puis j'ai fait du paper pacing, de sa petite robe, son petit chose. J'y ai rajouté un petit bling-bling. Fait que je me suis bien amusée. Ça ici, c'est tous mes filtres à café, mes feuilles de base que je garde. Ces deux boîtes-là sont vides. Je ne sais pas encore quoi faire avec. Ça ici, bon, là, vous pouvez voir le jeune bois qui a comme... Ah! Sacré le camp. Ça, c'est mes papiers de Noël. Puis aussi mes papiers 12 par 12 scrap que je pratique mes trucs. Ça ici, je vous dirais que c'est pas mal déjà tout classé. Il me reste juste à faire mes belles étiquettes décoratives. Ici, c'est mon coin Binded All avec des albums que j'ai achetés sur le site de Binded All. Faites jamais ça, le shipping est exorbitant. En arrière de ça, j'ai mes O-Wire. Ensuite de ça, c'est mon côté Cricut, mes cartouches de Cricut. Ma Big Shot, tout ce qui est nécessaire pour la Big Shot. Ça ici, c'est des bins, des boîtes que j'ai achetées chez Michaels. C'est des produits, c'est des... je mets mes voyons, mes projets en cours là-dedans, séparément. Chaque boîte a son projet. Là, comme vous pouvez voir ici, ça c'est mes papiers 6 par 6. Mais tu sais, c'est un petit peu, mettons, à classer, je vous dirais. Ça ici, c'est toutes mes cartables que je suis en train de me faire, là. Un cartable d'inventaire de mes produits, un cartable de tous les patrons que je trouve sur Internet, les patrons que j'ai achetés, comme j'ai acheté des patrons de Laura Dennison de Follow the Paper Trail, ils sont là-dedans. Mes plats de plastique sont vides. Ça, c'est mes sacs que j'achète au Dollarama pour mettre mes pads 12 par 12. Ensuite de ça, c'est ma section peinture également. Ça ici en bas, c'est un futur projet que je veux faire, que je veux vous montrer au juste c'est quoi. Ici, c'est un autre projet que je suis en train de faire. J'ai eu une commande pour faire un petit... oups, excusez, je suis pas dans le zoom. J'ai eu une commande pour faire un petit mini backpack. Puis ça, mais c'est des boîtes hier que j'ai essayé de faire. La verte en haut, je l'adore, sauf que le patron que j'ai vu était fait avec la SimpliScore de Stampin' Up avec la plaque diagonale. J'ai pas cette plaque-là. Donc, c'est un petit peu compliqué à faire sans la plaque parce que j'ai beau avoir la chose de Martha Stewart avec le petit triangle, mais ça marche pas. Fait que là, j'ai essayé de faire le mieux que je peux, là. Elle est quand même pas si pire, mais elle est pas à mon goût. Cette petite boîte-là, super le fun à faire. Celle-là, ben, j'ai fait un test. Ici, c'est ma place que je coupe tous mes papiers. Donc, j'ai mes papiers à portée de main. En bas, je coupe. Le petit rack qui est vide ici même, ça, c'est quand je fais ma sélection de couleurs. Mettons, je vais avoir... mettons, j'ai besoin de bleu, j'ai besoin de rouge. Donc, j'amène ma chemise qui est dans le garde-robe, la couleur rouge, la couleur bleue. Je la mets là-dedans. Fait que j'ai encore là, j'ai tout à portée de main.
Ici, c'est une affaire de vis dans le fond, mais éventuellement, je veux faire pour gaspiller le moins de papier possible. Aussitôt que je vais avoir un petit bout de carton, je vais tout de suite le puncher, soit avec une fleur ou quelque chose de même. Fait que comme ça, je vais avoir des fleurs de prête, je vais avoir n'importe quoi de prête, mais ça va être là-dedans. J'ai mon petit carrousel de chez Michaels que j'ai pogné en vente à 19$. Il était genre comme à 60% de rabais. Must have. C'est. Il y a un rangement super là-dedans. Encore là, le ménage n'est pas fait. Comme je vous dis, là, je suis pas encore organisée à 100%. À terre, ici, la première boîte que vous voyez, c'est ma boîte à poubelle. Moi, les petites poubelles qu'il faut que tu files deux fois quand tu travailles, ça ne me tente pas. Fait que là, j'ai une vieille boîte à bananes. En arrière de ça, où est-ce que vous voyez la petite, les Suzanne en bois, c'est encore des peintures décoratives. C'est encore des petits pots de peinture 2 onces. Ça ici, encore là, c'est une affaire pêle-mêle que je n'ai même pas décoré encore. Lui, je le sors de là, puis je l'installe différemment. Ma plaque Martha Stewart est dessus. Fait que comme ça, mais je coupe en haut, puis je viens faire mes rainures en bas. J'ai une autre boîte ici qui n'est pas encore. Ça, c'est tout ce qui est par rapport à finition de peinture sur bois. Puis j'ai le panier blanc, c'est des vernis à ongles que c'est pas encore placé. Donc, je vais vous refaire faire le tour encore un peu. Donc, Big Shot sur la première tablette. Je sais pas si je suis zoomée. Comme ça. Donc, ça s'en vient quand même pas si pire. Mais c'est ça. C'est long. Je peux vous dire comme quoi que j'ai arrêté de travailler à un moment donné parce que là, j'étais écœurée, j'en voyais plus clair. Là. Mais on a. Ah oui, je ne vous ai pas montré nos beaux Uchi. Ça fait tellement toute la différence, les Uchi. C'est super. Donc, voici. C'était mon tour de salle à scrapbooking. Ça, c'est ma place à ordinateur. Puis, j'ai une boîte ici que je vais vous montrer. J'ai une boîte ici qui n'est pas encore décorée. J'ai trouvé cette boîte-là au magasin de pièces. Puis, ça, là-dedans, tout ce qui est caméra, la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, mon Kodak qui prend des photos parce qu'avec ma caméra, j'aime pas le style de photo que ça fait. Leur fil. Tout ce qui est électronique, c'est là-dedans. Fait comme ça. Puis même la plupart du temps, je laisse brancher le fil qui correspond à l'appareil sur l'appareil. Comme ça, je n'ai pas à fouiller partout c'est quel fil. Parce que tu sais, t'en pognes un, puis c'est jamais le bon petit poigne. Donc, cette table-là servait à faire mes ongles avant. Elle était brune. Fait que je l'ai toute sablée, je l'ai toute repeinturée. Donc, c'est sûr qu'on voit les fils traîner un peu partout, là, mais tu sais, on s'entend que. C'est moi qui travaille là-dedans, là, fait que c'est pas bien ben grave, là. Puis, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça peut également vous donner des idées. Surtout si c'est juste pour vous donner des idées au sujet du rangement ici, là. Si vous voulez avoir plus d'informations, là, écrivez-moi, je vais vous le dire. C'est une merveille, ce système-là. Ça. Excusez-moi. Ça l'enlève beaucoup de place, puis on n'a pas à chercher de midi à 14h. Ah, ben là, il faut que j'aille dans cette section pour avoir des boutons rouges. Il faut que j'aille dans telle autre section pour avoir des attaches parisiennes rouges. Tout est à même place. Merveilleux. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Bye bye!